Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 15 mai 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Danseau. Hello Luc. Salut Martin. Comment ça va? L'équipe des Bleus va bien. L'équipe des Bleus. C'est ça, c'est le même chandail pour une troisième semaine consécutive, je pense. Arrête. Ça se peut-tu? Mais en tout cas, l'équipe des Bleus, bravo. Félicitations. Félicitations. Peut-être parce qu'on prend pour les Blues? On l'espère. Les Blues, on va parler avec David Perron dans quelques instants également. David Perron qui va se joindre à nous. On va parler avec Steph Leroux, on va parler avec André Tourigny, puis on va parler avec David Perron, puis on va parler avec Alex Tanguay. Je vous explique le show. Moi, Martin, je pense que le coup ci, on est tanné d'entendre parler de Nick Suzuki par du monde qui ne connaissent pas Nick Suzuki. Ah, on peut l'échanger, il est pas bon, patine pas, c'est une star, c'est le prochain Wingret. Tout ça, on est tanné. Par des mangeurs de Cheetos qui sont dans leur sub et qui n'ont jamais vu jouer. Fait que nous autres, on a dit, on va appeler Stéphane. Il est allé à Ottawa le voir jouer. Mais là, encore là, il a vu combien de matchs, Stéphane? Championnat junior, il l'a vu là. Ouais. On a dit, on va appeler André Tourigny. André Tourigny vient de jouer une série. Ouais. Mais 2-0 dans la série contre Suzuki et son équipe, le Storm de Guelph. Perdu les 4 suivants parce qu'il avait perdu son gardien de but. Fait qu'on parlait avec André Tourigny. On va prendre vos questions sur Suzuki. Absolument. Vos opinions sur Suzuki. Ouais. Tu peux avoir une opinion. Ouais. Tu peux dire, ah, il ne vaudra jamais autant. Puis moi, je vais dire, ben, s'il rentre dans une nationale de hockey et il fait 70 points par année, il va valoir plus qu'il vaut là. Oui, puis si on veut être plus précis, si on veut être plus précis, on peut dire où est-ce qu'on le voit évoluer la saison prochaine. Parce que ça peut être à Laval, ça peut être à Montréal, puis ouais. Ça peut être ailleurs. Mais peut-être qu'il le voit ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission. À la chambre, on a dit, Martin, Suzuki doit aller jouer à Laval l'an prochain. Ah oui. Basé sur quoi? Tu l'as vu jouer quand, toi? S'il arrive ici à Montréal, puis qu'au camp d'entraînement, le power play tourne tout autour de lui, puis que ça marche, on va faire « Oh non, nous autres, on aime ça être 31e power play. » Être 10e dans la ligne, on n'aimerait pas ça. C'est sûr qu'il va avoir un bon camp d'entraînement. On va envoyer Suzuki en bas. Être bon sur le power play, ça ne nous intéresse pas. Ben non! Fait qu'on va parler, puis on va prendre vos questions sur Nick Suzuki. À E25, ou à peu près, David Perron va se joindre à nous autres. Pas long. 5 minutes. Salut, ça va? Oui, bye. Match ce soir pour les Blues et les Sharks, c'est 1-1 dans cette série. Je trouve pas que les Blues jouent leur meilleur match en ce moment et je suis surpris de la performance des Sharks. Eux qui sont supposés jouer sur une patte ont l'air rapides. C'est-à-dire qu'ils sont-tu rapides ou ils jouent rapidement puis c'est trompe-l'œil présentement? Et Alex Tanguay va venir tout nous confirmer ça, nous expliquer ça et nous parler également de cette série entre les maudits Bruins de Boston. Si tu n'aimes pas les Bruins, là, je te dis que tu sacs en maudit dans ton salon de ce temps-là. En plus, c'est Marchand qui s'en va marquer. Le but de la victoire hier. Bref, gros show. On a besoin de vous autres sur nos médias sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur rds.ca. En haut, là, de la première page, vous allez avoir le lien là, pour venir nous rejoindre. Oui, merci Martin de cette superbe introduction. Je m'excuse, je m'affaire à communiquer avec Steph, puis je lis vos commentaires en même temps. Donc, ça va. On est en train d'établir la communication avec Stéphane Leroux. Mais je vais quand même vous donner quelques éléments de réponse d'auditeurs là, présentement, parce qu'il y en a déjà beaucoup, et on est content que vous soyez avec nous. François Blanchette, déjà sur Facebook, il dit « Je veux le voir brûler la Ligue américaine avant de venir avec le grand club. » Ça, il parle évidemment de Nick Suzuki. C'est Stéphane? Pardon? C'est qui ça? François. François? Oui. OK, il arrive au camp, François, puis il brûle le camp. On fait quoi? On l'envoie à Laval? Dis-moi ça, là, cette théorie de... Ken Allen, là, maintenant, on l'a en entrevue, puis il disait, moi, il faut que ça joue 200 matchs dans la Ligue américaine pour... faut que tu domines ton niveau. Puis moi, je ne vivais que par les paroles de Ken Allen. C'est Ken Allen. Et puis la Ligue a changé. Tu montes les jeunes plus vite. Oui. Tu comprends-tu? Il n'y a pas de méthode miracle. Tous les jeunes joueurs sont différents. Ils apprennent tous à une vitesse différente, dans des contextes différents, styles de joueurs différents. C'est pas vrai que tu vas les laisser faire tous leur séjour junior, puis après ça, 2 ans de Ligue américaine, puis là, bang, ça va être des superstars. Il y en a que tu vas les avoir perdus, mais bien raides. Ils seront pas stimulés, puis ils seront pas motivés, etc. Tout le monde, autant que d'individus, je pense que c'est différent. C'est du cas par cas pour chaque individu. Donc, oh oui, Nick Suzuki devrait aller jouer à Laval, selon toute vraisemblance. Mais attendez, basé sur quoi? Parce que vous avez trippé ben raide sur Ryan Poehling parce qu'il a marqué 3 buts dans un match qui ne voulait rien dire? C'est ça la... Oh non, Suzuki en bas, mais Poehling en haut, il a marqué 3 buts. Joue une game. Ceci étant dit, je pense que Poehling, ça va être un bon joueur. Je suis en train de dire le contraire. Fait juste dire, on les amène au camp. Puis on regardera à partir de là qui fait quoi, quand, où, quand, absolument, comment. Absolument. Donc, t'as fait que je vais parler avec Steph. Est-ce qu'à un moment donné, on va l'avoir? Je te niaise,
Je me fais dire les oreilles, je suis désolé de pas l'avoir. Des jokes. Pas à toi, je m'attaque pas à tout, là. T'as Steph. Ah ouais, Steph, Dick Dindin, ah ouais. C'est pas Steph non plus, il y a comme un problème. Steph est allé voir, puis championnat junior jouait à l'aile pour performer. Il est au centre avec son équipe junior. C'est une autre histoire. Fait que là, centre, elle y est toute la patente. Tout le monde, ouais, mais c'est parce qu'on a trop de centre. Pardon! Plus jamais je vais entendre dire trop de centre à Montréal. La dernière fois qu'on a fait ça, on en a échangé trois, puis on s'en est jamais remis. Jamais remis. Il y en a qui iront jouer à l'aile. Là. Il y aura des blessures et certains se retrouveront au poste de centre sans l'ombre d'un doute. Donc, on va jaser de Nick Suzuki. Puis, ce qu'il vaut. Pas, il faut l'échanger. Moi, ouais. Vous allez me tuer. On va aller bientôt rejoindre André Trounier. On a de la misère à se connecter avec Stéphane. Donc, possiblement qu'on va juste parler à André là, pour un petit moment. On va essayer d'établir la communication avec Stéphane. Puis, on rappellera Stéphane après, à la limite, si on n'est pas capable de se connecter avec lui. Fait qu'on va y aller, on va y aller comme ça. Il n'y en a pas de problème. Ben c'est ça. Tu vois, Stéphane, sur notre page, on jase, il dit « Si Suzuki, Poehling, Kotkaniemi démontrent leur qualité au camp, pourquoi ne pas les faire commencer dans la Ligue nationale, quitte à les envoyer à Laval au besoin? » La même théorie s'applique à Josh Brook, là, selon Stéphane. Mais si tu parlais tantôt de camp d'entraînement, ben c'est un peu ça. Oui, c'est ça qui va servir, le camp d'entraînement. Et plus que jamais, j'ai envie de parler comme un dirigeant en disant « On va voir au camp d'entraînement. » Tu sais, on parle pas de... Je sais pas, nomme-moi un jeune. T'sais, on parle pas d'un jeune joueur qui. Tu sais, Suzuki présentement est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Là. Il a dominé les pointeurs de la Ligue d'Ontario pendant les séries éliminatoires. Tu as vu là, dans le reportage de Stéphane, je pense que c'était McDavid à 49. Tu avais Marner à 44, je me souviens bien. Puis tu avais Nick Suzuki à 42 points en 24 matchs en séries éliminatoires. Puis derrière Suzuki, tu avais Mark Scheifele. Écoute, si Nick Suzuki est le trois quarts d'un de ces joueurs-là, on va avoir un maudit bon joueur dans les mains. Et on parle d'un gars qui a une intelligence au hockey exceptionnelle. Coup de patin, ce que je comprends, c'est que c'était pas le coup de patin idéal de la Ligue nationale de hockey à l'automne. Reportage que j'ai vu de Nick Suzuki, lui, il dit d'avoir travaillé beaucoup sur son patin. À certains endroits, tu peux faire des lectures, puis on dit que Nick Suzuki est un très bon patineur. Ce que j'en doute. Donc, il faut apprendre par laisser, puis surtout, il faut voir Nick Suzuki. C'est pour une des raisons pourquoi on va parler avec André Tourigny dans quelques instants également. Oui, tu vois, le plan de match change. Là. On va aller rejoindre Stéphane, tu ne seras pas là. Je suis un caméléon, moi, je m'ajuste. Puis ça se peut qu'on l'ait au téléphone, Stéphane. Donc, bon. Voilà, c'est les joies du direct, ça va bien. Hein? Ça va bien. Voilà, à peine de préparer chaud là, puis hier. C'est bien correct. Bon show. Ça ne sera pas long. Ah non, rien là. Puis, fait que c'est ça. Fait que Nick Suzuki, visiblement, semble plus créatif et plus à l'aise au centre. Il y en a qui vont voir un problème là-dedans. Moi, je vais voir de bonnes nouvelles. Voyons, on a-t-il moyen vraiment de dire non à un centre créatif, offensif? Malgré sa taille? Bon, ben, c'est ça. J'aime ta réaction. Parce que Joe Sakic mesurait quoi? Je sais pas, 5 et 11, tu vois? 6, ouais. Non, déjà quelqu'un parler avec sa grandeur? Non, absolument. Non, mais c'est parce que ça revient là, dans les observations. Le Canadien n'est pas grand, que ce soit n'importe quelle position. Moi, je fais juste rapporter ce qui se lit, mais j'aime ta réaction, par exemple. Je pense pas. Puis là, je vais peut-être parler à travers mon chapeau. Tu sais, Joe Thornton, c'est un gros bonhomme. Là. Oui. Mais Couture, y a-tu 6 pieds 4? Je penserais pas. Non. Bergeron, 6 pieds 4? Pieds 3? 6 pieds 2? Non, je penserais pas non plus. Krejci, y a-tu 6 pieds 2? 6 pieds 3? Je penserais pas. Tu comprends-tu? As-tu fini, ce mode-là? Anyway. Stéphane Leroux, salut! Allô? Hello? Comment ça va? Salut, Stéphane. On s'est retrouvés. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Ton téléphone ne veut pas qu'on te voie la face? J'ai aucune idée. Moi, je vous voyais. J'ai vu vos beaux chandails bleus, là, mais... Merci. Je sais pas. OK. Hey, Stéphane, on a pris un peu de temps, là, mais je dis au moins, on va parler de Suzuki, mais on va le faire comme il faut, nous autres. On va parler avec des gars qui l'ont vu jouer. Tu l'as vu au championnat junior, tu l'as vu, tu es allé à Ottawa le voir jouer également. Champion junior, ça n'a pas si bien été. On l'a utilisé à l'aile, si je ne me trompe pas, puis tu me remets à ma place, si je me trompe. Il était au centre avec son club junior parce que je t'ai texté, puis tu me l'as dit. Semble plus créatif, plus productif au centre. Qu'est-ce que tu as vu de Nick Suzuki? Qu'est-ce que tu as aimé de Nick Suzuki? Ben, je pense qu'il faut retenir de Nick Suzuki. Un, il a su se lever quand c'était le temps. Je suis en train de préparer un peu des notes pour la Coupe Memorial, notamment, puis je regardais. Le Storm de Guelph a fait face
7 fois à l'élimination au cours des séries. C'est quand même pas banal. Ils ont joué 24 matchs. T'sais, la première ronde, ça a été une balade au parc. Là, ils ont gagné en 4. À partir de la deuxième ronde, ils perdaient 3-0 contre London. Moi, j'arrivais à 5-7, hockey 3-60. Je disais, bon, ben, s'ils perdent ce soir, on va le voir jouer avec Laval, le Rocket, parce qu'il restait deux matchs de la dernière fin de semaine. Finalement, ils m'ont remis à ma place solide. Ils en ont gagné 4 de suite contre London. Donc, mais ces quatre matchs-là, ils faisaient face à l'élimination. Dans la ronde suivante contre Saginaw, même chose, tirait derrière 3-1. Trois matchs, on fait face à l'élimination. Fait que dans ces sept matchs-là, où le Storm a fait face à l'élimination, il est allé chercher 17 points. 7 buts et 10 passes. Alors ça, ce que ça dit, c'est quand l'enjeu est grand, là, il était capable de prendre la charge, si on veut, d'aller chercher là, les gros points, les gros buts que ça prenait pour faire gagner son équipe. J'ai vu un match dans la série contre Ottawa. Le match que j'ai vu, il a pas été, ça n'a probablement pas été son meilleur, le match numéro 2. C'est le match où Michael DiPietro s'est blessé pour les 67 et c'est probablement à ce moment-là que la série a basculé pour le Storm. Mais quand tu regardes ça, overall, là, comme on dit, 42 points en 24 matchs en série. Tu sais, dans les 10 dernières années en Ontario, là, les gars qui ont fait ça, là, c'est Connor McDavid, c'est Mike Scheifele, c'est Mitch Marner, c'est des bonhommes là, qui ont du succès dans la Ligue nationale présentement. Alors, il est allé chercher ce niveau-là. Est-ce qu'il maintenant il va être capable de transporter ça au prochain niveau? Ça, c'est la grande question. Moi, je l'aime beaucoup, Nick Suzuki. Tu sais, c'est un gars qui est réservé, c'est un gars qui parle pas fort, c'est un gars qui a une très belle créativité sur la patinoire puis tout ça. Il est peut-être un peu frêle physiquement, quoique dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est moins important. Moi, la question que je pose souvent quand on me pose la question, il va jouer avec le Canadien l'an prochain, moi, la question que je repose tout de suite, c'est est-ce qu'il y a de la place pour commencer la saison à Montréal avec Paling, Kotkaniemi et Suzuki dans la même équipe? C'est un gars de 19 ans, deux gars de 20 ans. Je suis pas convaincu de ça. Puis s'il y en a un des trois qui est peut-être pour aller à Laval, je pense pas que ça va être Kotkaniemi avec ce qu'il a fait l'an dernier. Puis Paling, il me semble plus prêt physiquement que ne l'est Suzuki. Alors, c'est pour ça que je dis que peut-être un petit séjour à Laval va peut-être lui faire du bien pour jouer avec des hommes un peu, comme on dit. C'est Paling a joué avec des hommes à l'université, puis Kotkaniemi a joué avec des hommes dans la Ligue nationale cette année, puis en Finlande avant. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est pas parce qu'il est pas bon. Non, mais peut-être moi, que ça... des trois, c'est peut-être lui qui est le moins prêt physiquement à jouer dans la LNH. Moi, à ça, je réponds ceci. On va voir au camp. Si on arrive au camp, là, puis le power play marche quand lui est sur la glace, puis on marque, on va te faire « Ah non, nous autres, on aime mieux être 31e dans la Ligue. » Rand Paling, là, je l'ai adoré. Bon, on est d'accord. Il a joué une game dans une nationale de hockey dans une situation perdante, puis il en a marqué 3. Moi, j'ai vu Lars Eller marquer 4 buts dans une game, puis ça demeure un centre de 3e trio. Moi, je Mais me dis, avant de dire... Junior, Martin, Paling était meilleur que Suzuki. Absolument. Alors, tu sais, oublie le dernier match de 3 buts de Paling. C'est comme je disais l'autre jour en onde, ça va lui peut-être lui en prendre 422 dans la Ligue nationale avant de faire un autre chapeau. Là. T'sais, je veux dire, ça a donné comme ça le dernier match de la saison. Tout était placé pour lui. T'sais, c'est sûr que c'est pas un marqueur naturel, Ryan Paling. C'est un bon power forward, un gars à la Mikko Koivu, justement, là, ce genre de joueur-là. T'sais. Puis Suzuki, c'est pas le même genre de joueur que Paling. Mais je me écoute, si ça marche avec Suzuki au camp, puis qu'il est assez bon pour jouer, qu'on n'a pas besoin d'envoyer à Laval. Parfait pour moi. Là. Je discutais avec des collègues l'autre jour, puis ils me parlaient que Robert Thomas avec les Blues de Saint-Louis, il n'a pas eu besoin d'aller jouer dans la Ligue américaine. Il a joué dans la Ligue nationale à 19 ans. Ça se peut là, que Suzuki soit prêt pour commencer à 20 ans. Mais tu as toujours la fameuse histoire des contrats one-way qui sont déjà signés, du nombre d'attaquants qui sont sous contrat. T'sais, c'est facile d'envoyer... C'est facile d'envoyer probablement Dale Weiss à Laval. C'est facile d'envoyer Matthew Pekka à Laval. C'est probablement même possible d'envoyer Delaurier à Laval. Et tu vas t'envoyer Thompson à Laval aussi. Tu vas t'envoyer Will à Laval aussi. Tu vas les envoyer à Laval pour faire de la place pour absolument avoir Suzuki, Paling et Kotkaniemi au départ. C'est ça ma question. S'il y a un gros camp d'entraînement, tu n'auras pas le choix. Exact. C'est ce que Marc Bergevin dit tout le temps, qu'il ne nous donne pas le choix. Alors, on verra au camp. C'est sûr que lui, Suzuki, s'il pose la question, il ne va rien savoir du Rocket de Laval. Là, c'est bien évident. C'est mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est la réalité des choses. Là. Réponds à des questions que les gens se posent, là, parce qu'eux ne l'ont pas vu. Puis, je te parle de ce que tu as vu au championnat junior, je te parle de ce que tu as vu quand tu es à l'Ottawa. Puis, je suis allé à One Sound aussi le voir cette année. J'ai vu au championnat du monde junior plusieurs matchs. J'ai vu au camp d'entraînement d'équipe Canada junior. T'sais, c'est un gars qui a un. Il y a comme une espèce d'aura autour de lui dans la Ligue de l'Ontario. Tu sais, ça fait 4 ans qu'il joue là. Ça fait 3 ans là, qu'il va chercher 96-100 points là, au cours des 3 dernières années. Tu sais, il y a une marge. Comment je te dirais ça? Dans la Ligue de l'Ontario, le Suzuki rentre en zone adverse avec la rondelle. Les défenseurs reculent. Là. Tu comprends? On lui donne une espèce de rayon d'action qu'il n'y aura probablement pas dans la Ligue nationale. Là. Tu sais, je veux dire. Puis, OK, mais réponds à ma question. Oui.
cette fameuse question qu'à Montréal, on l'aime. Martin dit, championnat junior, je vais aller, elle ne marche pas. Puis là, il joue au centre avec son équipe junior, créatif comme pas possible. Mm-hmm. Ce gars-là est-il plus créatif et plus Nick Suzuki au centre qu'à l'aile? C'est sûr, puis il veut jouer au centre. J'ai posé la question carrément, puis il se voit comme un joueur de centre dans la Ligue nationale. Parfait. Là, je vais aller à Owen Sound au mois de novembre, on en parlait déjà, même avant le championnat du monde de hockey junior. Sauf que c'est un atout dans sa manche qu'il a de pouvoir jouer et au centre et à l'aile. Ce que certains joueurs qu'on a vus n'ont pas. T'sais, lui, il l'a, mais si ça ne fonctionne pas au centre, on va pouvoir le mettre à l'aile. Puis je pense pas que ça va être. Tu sais, ça ne sera pas le débat. Payling, ça va être un joueur de centre. Là. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dedans. Là. Tu sais, Kotkaniemi va jouer au centre aussi. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dedans. Mais lui, c'est plus nébuleux. Je pense qu'il peut faire les deux. Puis tant mieux, ça lui donne une polyvalence que peut-être d'autres n'ont pas. OK. Mais s'il crée plus au centre, puis encore là, je reviens à mon histoire de power play à OK, mais est-ce que trois des centres du Canadien l'an prochain peuvent être Kotkaniemi, Payling et Suzuki? Ben, Payling, vous me dites qu'il est bon défensivement. Il y a peut-être Dano, puis t'as, mettons, Max Domi. Max Domi, tu le retournes à l'aile, peut-être. Je sais pas, regarde. C'est pas. On jase pour jaser. OK. À cette heure, la question que tout le monde se demande. On avait dit au camp, hey, patin pas idéal pour la Ligue nationale. Il patine-tu? C'est pas le meilleur patineur. Par contre, c'est pas un mauvais patineur. Tu sais, ça, on va se dire ça comme ça. Là. Lui, il dit que c'est amélioré cette année. Ben, écoute, j'ai pas chronométré là, comment il faisait au début de la saison puis comment il fait à la fin de la saison. C'est sûr que c'est ce point-là qu'on lui a dû travailler, il n'y a pas de doute. C'est pas un patineur explosif. Là. Ça, c'est sûr et certain de ça. Par contre, c'est un gars intelligent qui découpe bien la rondelle. Fait que, tu sais, tu compenses des fois ton handicap, là, puis je vais mettre le mot handicap en guillemets, là. Tu compenses ton handicap par ton intelligence. Tu sais, je veux dire, tu fais pas de coups de patin qui sont pas nécessaires. Tu sais, tu découpes la patinoire de sorte que, finalement, même si t'es pas le plus rapide, on dirait que t'es toujours au bon endroit au bon moment. Tu sais, puis c'est un peu ça, Nick Suzuki. Là, tu sais, quand on parle de créativité, quand on parle de vision de jeu, tu sais, moi, je l'ai pas vu souvent donner des coups de patin pour rien. Là, tu sais, je veux dire, il se rend où la rondelle s'en va. Il est capable de lire le jeu et de faire des passes que certains ne voient pas. T'sais, des lignes de passes qu'il est capable de faire. On l'a vu, même si ça n'a pas été un championnat mondial extraordinaire pour lui, il nous a montré des flashs à un certain moment. On se regardait, Normand Flynn et moi, on disait « Oh, wow! » Je veux dire, on vient de voir quelque chose. Okay. Mais c'est pas un patin fluide, Ligue nationale, là, c'est pas une fusée sur patin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Son frère, qui est admissible au repêchage cette année, je pense, patine beaucoup mieux que lui. Mais il n'a peut-être pas autant l'instinct créatif. T'sais, je veux dire, si on pouvait prendre les deux frères et en faire un, là, ça serait plutôt un joueur de hockey, je pense. Mais là, les deux, tu sais, ont chacune leur force et leur faiblesse. OK, Ron, sur notre page, il demande au même âge, Drouin ou Suzuki? Qui est meilleur? Je pense que Drouin était meilleur. À 17 ans, Drouin était meilleur. Drouin était joueur par excellence de la Ligue junior majeure du Québec. Je veux dire, à 19 ans, Drouin jouait déjà dans la Ligue nationale. Suzuki ne jouait pas dans la Ligue nationale. Je pense que Drouin a une petite coche au moment, mais ça ne veut pas dire que le développement de Suzuki ne sera pas meilleur dans 2-3 ans. C'est la comparaison qu'on fait. Les gens aiment bien ça, faire des comparaisons, puis on en a fait à gauche puis à droite. T'sais, moi, le gars, la comparaison que j'ai entendue le plus souvent pour Nick Suzuki, c'est Chris Drury, qui a joué, évidemment, qu'on a connu avec l'Avalanche du Colorado, qui a déjà compté 37 buts d'une saison, mais qui était peut-être plus un compteur de 25 buts. Un gars qui était capable de jouer au centre, qui était capable de jouer à l'aile, qui est un droitier. Tu sais, je veux dire, alors... Il était tough, par exemple, Drury. Drury, il allait devant le net, il était tough. Oui, mais tu sais, Suzuki, c'est sûr que Suzuki, là, ça, faut faire attention aussi, parce que je sais qu'il se fait... C'est un Lady Bing. C'est un gars qui gagne le titre de joueur gentilhomme, ne prend pas beaucoup de punitions. Drury en prenait peut-être un petit peu plus, là, malgré que c'était pas un matamor non plus. T'sais, Drury, c'était un 5-10, 190, 195, à peu près la même chose que Suzuki. Suzuki peut-être un petit peu plus léger. Moi, cette comparaison-là, je ne l'haïssais pas. Là. Quand on en parlait là, en cours de saison, moi, je trouvais que ça pouvait y ressembler un petit peu. Puis, tu sais, c'est un gars, Drury, a quand même une saison, une carrière de quoi, 10-12 ans dans la Ligue nationale. C'est quasiment toujours 20-25 buts, 30 buts quelquefois. Alors, tu sais, si c'est ça, Nick Suzuki, bravo. Tu sais, je veux dire, ça sera. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas le gars qui va rentrer dans la Ligue nationale l'an prochain et qui va finir dans les premiers compteurs de la Ligue parce qu'il est dominant dans le junior. En fait. OK, deux petites vite. moi, une affaire qui m'écœurait, c'est. Suzuki va bien puis il domine le junior dans les séries, 24. 42 points, 24 matchs.
Puis là, tout le monde, on devrait l'échanger, il n'y aura jamais une aussi haute valeur. Tandis que quand Marner, puis Shifley, puis tout ça, ça fonctionnait au toast dans la junior, on était tous là. Tu vois, les autres, ils repêchent bien, ils ont des bons joueurs, puis les autres, ils repêchent bien. Nous autres, on en a un, puis on veut l'échanger. Es-tu comme moi, toi, tu te dis, hey, on va donner la chance au coureur, ou tu fais partie encore de ceux qui disent... Je veux pas nécessairement l'échanger, sauf qu'effectivement, c'est un gars, en ce moment, qui a une certaine valeur. La preuve, Vegas l'a échangé pour Max Pacioretty. Tu sais, je veux dire, alors c'est... Je te dis pas qu'il faut l'échanger, mais à un certain moment, il est où dans ta charte, là, Nick Suzuki? Tu sais, je veux dire, est-ce que, bon, Poehling, il va être en avant de lui? Est-ce que Ikonen, Ilonen, quand ils vont arriver, ils vont être en avant de lui? Tu sais, je veux dire, à un certain moment, si tu veux aller chercher quelque chose dans une transaction, puis il faut que tu en sacrifies un, ben, peut-être que ça va être lui, je sais pas, tu sais, je veux dire, moi, okay. je suis pas en train de dire qu'il faut l'échanger. Mais à un certain moment, pour la transaction de Pacioretty, tu as déjà eu Tatar qui, offensivement, est allé chercher ce que Pacioretty ou à peu près avait fait l'année précédente, on s'entend. Ouais. Tu as Suzuki, puis tu as un choix de deuxième ronde à venir cette année. T'sais, fait que déjà, tu as le meilleur dans la transaction. Je te donne un exemple. Admettons là, que tu seras obligé de mettre un espoir pour aller chercher un gars d'impact, là, que ce soit pour être le fameux défenseur gaucher pour jouer avec Weber, t'es obligé de donner, je sais pas moi, un choix de deuxième ronde, puis un jeune espoir, puis que l'équipe que tu vas aller chercher, puis c'est Suzuki qui a vu absolument, tu sais, ben peut-être que, tu sais, je veux dire, c'est de profiter. Je dis pas que c'est parce qu'il est bon qu'il faut l'échanger, mais peut-être qu'à un certain moment, si t'as en sacrifié un, peut-être que le Canadien va aimer mieux garder Poehling que Suzuki. Je te donne un exemple, c'est en choisir entre les deux. Tu sais, la question se posait aussi dans le cas de l'échange avec Vegas. T'sais, Cody Glass ou Nick Suzuki? Est-ce que le Canadien a demandé Cody Glass à un certain moment puis que Vegas voulait pas? Est-ce que, au contraire, le Canadien voulait avoir absolument Suzuki parce que c'est lui qu'on aimait plus? T'sais, tu regardes Cody Glass cette année, 69 points en 38 matchs dans le junior. C'est un gars de 100 points aussi l'année passée dans le junior. T'sais. Les deux appartenaient à Vegas, les deux étaient repêchés en première ronde. Ouais. Est-ce que le Canadien est arrivé et a dit « Nous, on prend Glass absolument, sinon on fait pas l'échange? » Où la Vegas a dit, non, vous autres, Glass, oubliez ça. Vous allez avoir Suzuki, on va pas plus haut que ça. T'sais. On le saura probablement jamais. Je sais pas si quelqu'un un jour va nous donner les tenants et aboutissants de cette transaction-là, là, mais tu sais, ça, c'est ta job sur le plancher du repêchage cette année. Là. Ça serait le fun. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas le genre d'affaires qu'on parle généralement. Tu sais, parce que si Vegas tenait absolument à garder Glass, puis Suzuki devient meilleur, ils vont mal paraître là-dedans. Si le Canadien voulait absolument Suzuki, puis Glass ne les intéressait pas, puis Glass devient bon, le Canadien va mal paraître là-dedans aussi. T'sais. Est-ce que Vegas a dit « choisissez un ou l'autre » On ne sait pas. On n'était pas là quand cette transaction-là s'est faite, là, la veille du terrain du tournoi de golf du Canadien en début de saison. On s'est dit « OK, Tatar, un choix de deux, puis un jeune. » Là, est-ce que Vegas a dit au Canadien « choisissez quel vous voulez » Ça s'est dit « c'est Suzuki ou pas pantoute ». On ne sait pas. Okay. Il y a plusieurs commentaires, mais on va y aller rapidement, Steph. T'sais, c'est sûr que c'est JJ sur Facebook pis dit est-ce qu'on s'entend au camp d'entraînement pour lui donner des alliés ou un joueur de centre de qualité pour essayer de faire l'équipe, c'est justement? Sûr. C'est sûr que quand tu te présentes au camp, tu regardes toujours avec qui les joueurs sont placés. Puis ça, je le vis à chaque année au camp d'équipe Canada Junior. Quand tu regardes, mettons, tu sais, Alexis Lafrenière, cette année, avait 17 ans, tu regardais avec qui on le plaçait. C'est OK, on lui donne des bons joueurs, on veut qu'ils performe, qu'il soit bon. Moi, je me souviens quand Lekkonen est arrivé au camp du Canadien il y a deux ans, on lui avait donné Plekanec, on lui avait donné des vétérans pour jouer avec lui. T'sais. Charles Hudon n'avait jamais eu exemple le même encadrement, je vais mettre ça en guillemets aussi, au camp d'entraînement sur son trio, qu'exemple un Lekkonen. Alors, on voulait que Lekkonen, ça fonctionne. T'sais. Alors, c'est sûr que cette année, quand on va arriver les premiers matchs intra-équipe, les rouges contre les blancs, puis les matchs hors concours, c'est sûr que si Suzuki joue avec Thompson, puis Wheel, puis Delaurier, pas sûr qu'il va être en bonne position. Mais tu sais, si on le place avec un Gallagher, mettons, si on le place avec des barèmes comme ça, ça veut dire que là, on veut vraiment qu'il nous montre ce qu'il est capable de faire. Puis tu sais, je veux dire, tu vas toujours être aussi bon aussi qu'avec ceux avec qui tu joues. Là. On s'entend que Suzuki, si tu mets deux gars avec lui, que c'est dump and chase, là, passez-moi l'expression en anglais, là, il se mettra pas en évidence. Si tu mets des gars qui sont capables de finir ses jeux, de ses passes, ben, c'est sûr que là, on va peut-être dire, ben oui, le Canadien veut tout faire pour que ça fonctionne puis qu'il reste avec le Canadien. Puis de toute façon, là, quand bien même qu'il irait jouer 30 matchs, 40 matchs avec le Rocket de Laval, là, est-ce que ça c'est pas dramatique? Non, non. La fameuse année du lockout, là, Brendan Gallagher, là, il a passé quoi, le 30-40 matchs à Hamilton? Puis je veux dire, quand le lockout était réglé, puis on l'a amené à Montréal, il était prêt pour jouer.
tant mieux. Tu sais, je veux dire, pourquoi pas, là, tu sais, je veux dire... C'est pas une punition, là. Tu sais, je veux dire, l'important... Fâche-toi pas, Steph, fâche-toi pas. C'est pas qu'il soit bon l'année prochaine, c'est qu'il soit bon pendant 10 ans, là. Ouais, tu sais, fâche-toi pas, Steph. Non, non. De toute façon, ça va te permettre de faire la description des matchs de Suzuki. Écoute, je veux juste te demander quelque chose. Est-ce que la présence ou la non-présence de Nick Suzuki en début de saison fait en sorte que le Canadien fait ou fait pas les séries l'an prochain? C'est pas lui le baromètre, là. Je veux dire, c'est pas si Suzuki fait l'équipe, on va jouer dans une série, puis Suzuki s'en va à Laval, on les fera pas. J'espère que c'est pas ça, là. Ben, attends une seconde. La question, là, je vais t'enlever le mot Suzuki, puis je vais te rajouter talent. La question est si tu n'as plus de talent dans ta formation, est-ce que tu n'as plus de chance de faire les séries? Tu sais, je vais te poser ça d'une autre façon. Si ton power play est d'être 31e, il est 20e, t'es-tu en série? Est-ce que Suzuki fait en sorte que ton power play est 20e absolument? Il a l'air créatif. Ben oui, ben, c'est ça. C'est... Moi, je suis d'accord avec toi. Là. Je veux dire, si je pense pas que Bergevin et Claude Julien ils vont se priver de gars qui sont capables de les aider à gagner. C'est clair. Si eux, ils jugent au camp d'entraînement que Suzuki est capable de les aider dès le mois d'octobre, ils vont le garder. S'ils jugent que 2-3 mois à Laval, ça va être correct, on va l'amener en janvier, je pense que c'est pas mauvais non plus. Là. OK. Ben, on va te suivre du côté de Halifax. Tu t'en vas couvrir la Coupe Memorial. Amène-toi de la crème. Puis ça a l'air qu'il fait chaud là-bas, c'est une destination. La crème, c'est le soleil. Non, on n'est pas vu. J'étais allé à Halifax en fin de semaine, évidemment, puis c'était pas chaud non plus. J'espère que ça va être plus beau la semaine prochaine. Non, mais ah oui, on t'en va là-bas. Écoute, il va y avoir un intérêt pour la Coupe Memorial. Je veux dire, Rouyn Noranda, c'est la meilleure équipe au Canada. Bon, évidemment, on vient de parler en long et en large de Suzuki puis du Storm de Guelph qui va être là. Halifax, l'équipe hôtesse, c'est quand même intéressant. Il y a un gars comme Raphaël Lavoie qui va être un espoir de première ronde pour ce tournoi-là. Puis tu as les Raiders de Prince Albert qui se présentent avec une bonne équipe, une belle histoire, un petit marché de la Ligue de l'Ouest qui a mis fin à une disette de... J'aurais dû voir ça. Je regardais le match l'autre soir là, quand ils ont gagné en prolongation, match numéro 7. Premièrement, c'est toujours le fun. Le match numéro 7 en prolongation, l'équipe à la maison gagne. Pour eux, là, c'était 33 ans là, qu'on effaçait. C'est depuis 1985 que cette petite ville-là n'était pas allée à la Coupe Memorial. Alors, je pense que ça va être intéressant. Trois des quatre entraîneurs qui sont là ont déjà gagné la Coupe Memorial. Le quatrième, George Burnett, l'entraîneur de Guelph, l'a perdu en finale en prolongation, mais c'est le gars qui a le plus d'expérience parmi les quatre coachs qui sont là-bas. Fait que je pense que ça va être une Coupe Memorial relevée, puis ça se passe dans le giron de la LHJMQ avec deux équipes de la LHJMQ. Si on pouvait revivre ce qu'on a vécu en 2006, ça serait le fun. Une finale, Rouyn Noranda, Halifax, les deux équipes de la LHJMQ, on pourrait pas demander meilleur scénario. C'est clair. Hey, moi qui avais prévu de faire 15 minutes avec toi, je vais me prendre une note. On a eu des petits problèmes aussi au début. Là. Non, c'est non, mais clair. Avec Steph, écoute, à chaque fois qu'on est ensemble, on te bave à ça, mon homme, pendant des demi-heures et des demi-heures, puis avoue qu'on pourrait continuer. Ben oui, il n'y a pas de problème. Je suis là quand vous voulez. All right, on t'adore, Steph. Bon voyage à Halifax, puis on te suit sur rds.ca. Merci, salut. Ciao. Salut, Steph. C'était Stéphane Leroux. Écoute, c'est son genre. Absolument, là, Je ne sais pas si tu as fait des plans. Je ne sais pas c'est quoi les plans avec André Tourigny. On essaie de le rejoindre là. On va voir s'il répond. Attends, j'appellerai David parce qu'on a une fenêtre. Ah, trop tard. On n'a pas le contrôle. Là. On a-tu André là? Non, mais Olivier est en train de faire l'appel. Ce ne sera pas long. Olivier, tu es en train de payer ses pitons? Oui. OK, David. Tu as appelé David, s'il te plaît. OK, super. Merci. S'il te plaît. On va revenir. David, c'est sûr que c'est court. C'est juste un petit coucou avant le. Avant son match numéro 3 ce soir. OK. Puis on va revenir avec André, puis il va être question encore de Suzuki. Ouais. Puis si vous voulez y aller un commentaire là, pour David, je n'y vais pas. Oui, Claude se demandait c'est son genre. À Stéphane, qu'est-ce qu'il pense de Joël Teasdale? Parce que tu penses ce show-là? Lui, il devrait évoluer à Laval l'année prochaine. Joël Teasdale, connu d'excellentes séries avec les Huskies de Rouyn Noranda. Plusieurs commentaires, évidemment, puis je vais rapidement, là, parce que ça va changer rapidement. Tantôt, tu parlais de Suzuki qui peut-être... pourrait faire une différence ou pas si le Canadien faisait des séries. C'était un petit peu ça la question. Puis Philippe, sur Facebook, m'a fait rire. Il dit, si Suzuki réussit à changer l'allure de un ou deux matchs, ça fait déjà 4 points de plus pour faire des séries. Puis nous autres, il nous en manquait juste un. Fait que, je ne sais pas si c'est lui qui fait la différence ou si son apport offensif. Ou bref, j'ai trouvé ça bien pour ce genre de commentaire-là. Jonathan Lavoie dit, Raphaël Lavoie... il dit que c'est pas le meilleur espoir de la Ligue junior majeure du Québec cette année. Selon le mock draft de Craig Button sur TSN, il est répertorié au 15e rang, là où le Canadien repêche. On va se faire éventuellement, on jase une émission sur le mock draft. Comment on traduit ça? Le Craig Button draft, là. Oui, c'est ça. Les prévisions, bref, en vue du repêchage, ça s'en vient à Ongeaz un petit peu plus tard. On est déjà mi-mai, là, mais fin mai, début juin, on va se faire ça.
Oui, on a de la misère aujourd'hui. Hein? C'est ben oui, juste carré. Pas trop. Si jamais Ron qui dit ça, si Suzuki et Paling ne font pas le grand club, ça va vouloir dire que le CH ne feront pas les séries pour une troisième année de suite. Je ne sais pas si c'est une conséquence directe. Mais il dit pourquoi pas faire une méga transaction à ce moment-là. Tu vois ça quand il va pas essayer. Bon, mais là, ça serait inacceptable. Là. Mais ça se peut. Mais ça se peut très bien. Philadelphie est meilleure. Ah oh, oui, oh, oui, ça se peut très, très bien. Les Panthers risquent d'être meilleurs. Ils ont joué avec une ville en partant. C'est, oui, absolument. Ils ont un vrai coach. Hein. Ils n'ont pas le bronzé. Oui, puis on ne sait pas où va aboutir Bobrovski. Bref. Le nom de Mitch Marner revient. Honnêtement, vous êtes bon. Honnêtement, là, avec vos types de commentaires depuis le début de la début de l'émission, même si visiblement c'est pas une ligne droite aujourd'hui. Là. C'est la misère! Ben non, mais ça va avec le show. Bon. Alors tu vois, il y a un téléphone qui sonne, je sais pas c'est qui. Ça va très bien. Qui sonne ici? Oui. Jonathan, il dit dans mon livre à moi, il parle de Mitch Marner, ça a été souvent Allô? Le cas. il arrive pas à s'entendre avec Marner. Qu'il s'informe pour Suzuki, exemple. Bon, OK, je t'arrête. Je t'arrête deux secondes. Ramasse tes idées. On va aller rejoindre tout de suite David Perron. Salut, David. Salut, Martin, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, super bien. David, match numéro 3 ce soir. En fait, vous avez remporté une game sur deux à San Jose. La job est faite, même si vous devez être déçu après la première défaite. Ben regarde, c'est pas que la job est faite, mais c'est sûr qu'on est content d'avoir ramassé le match numéro 2. Surtout, on n'avait pas si bien joué sur le match numéro 1, donc on était quand même plus content de notre performance au match numéro 2. Un turnaround assez rapide, on est de retour à Saint-Louis après notre voyagement. Puis regarde, c'est sûr qu'on va aller chercher le match numéro 3. Ah, technicalité que souvent tu nous as informé quand tu étais à Vegas et également avec les Blues, comment ça a fonctionné? Est-ce que vous êtes parti après le match de San Jose, étant donné que c'est un plus long voyage, ou vous êtes parti le lendemain? Non, on est parti le lendemain parce qu'étant donné que c'est un vol de 3h30, 4h sur le retour, puis 4h30 pour aller là-bas. En plus, sur le retour, on perd 2h, donc ça fait une longue journée de voyagement. En même temps, pour se reposer, pour essayer de trouver le moyen de bien s'alimenter, tout ça, pour essayer de trouver notre énergie pour le game day, puis c'est ça qui est important lors de la journée d'hier. OK. Parle-moi des Sharks. Moi, je trouvais que vous dominiez les Stars de Dallas, puis que des fois, il y avait des petits breakdowns qui faisaient qu'ils restaient dans le game. Mais pour moi, vous étiez clairement meilleur qu'eux. Je m'attendais à voir des Sharks sur un pied, puis pas capable de suivre la vitesse que vous imposeriez. Puis je les trouve rapides. Est-ce que c'est ils sont rapides en relance de rondelle? Ils jouent rapidement ou je suis pas assez impressionné par les Kane, puis je sous-estime les Nyquist, puis les joueurs plus rapides des Sharks? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont sur un pied, mais je les trouve rapides soit par rapport à vous autres ou c'est vous autres qui avez ralenti. Comment tu m'expliquerais ça, là, que je les trouve vite d'un coup? Là? Ben j'espère qu'on n'a pas ralenti, là, mais non, regarde, on a encore beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a deux choses. Ils ont joué des très bons matchs. C'est une très bonne équipe. Mais de notre côté, là, je pense qu'on peut augmenter notre niveau de jeu. Puis, je pense qu'on a fait ça aussi pendant la série de Winnipeg, pendant la série de Dallas. Plus la série avançait, mieux qu'on joue au hockey. Donc, on espère que ça va continuer dans cette optique-là. Puis, il y a aussi, je pense, le fait que ça fait assez longtemps que San Jose joue ensemble. Tous les joueurs, tu sais, les Pavelski, Hurdle, Thornton, Burns, tout ça, ils ont beaucoup de chimie ensemble. Oui, c'est vrai. Puis parle-moi de Bertuzzo qui, moi, j'avais pas trouvé ça banal, qui s'en prenne à Goodrow à la fin du premier match. Je trouvais que c'était un signe de leadership. Deux grosses mises en échec. Le but de la victoire du revers, mon chef, en descendant de la ligne bleue. Qu'est-ce que tu peux dire sur les gestes qu'il a posés? Puis c'est des gestes, pour moi, de leadership. Exactement. C'est un gros but de sa part. Puis je pense qu'on était tous conscients de notre performance qu'on avait au match numéro 1. On n'était pas contents. Il a voulu montrer une différence. Je pense que c'est juste ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de jouer physique. Surtout quand le score était 5-2 après deux périodes, on sait que ça va être difficile de retourner dans le match. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire. David, pas plus long que ça. Juste merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Puis on te regarde ce soir. Puis quand on se reparle, tu devrais avoir gagné ta série. Yes, sir. Merci beaucoup, Martin. C'est apprécié. Bye. Bye. Marc-Étienne dit « Let's go, Dave. On veut un défilé de la Coupe en Estrie. »
Oui. Stevie dit, s'il vous plaît, David, battez sa nausée, puis capable de les voir. Couture m'énerve. J'adore voir les Blues. Il nous énerve, vous êtes Couture. Les seuls. Il nous énerve, il est bon. Il est tellement bon. Puis quand il score là, le 2-1, je pense que c'était 2-1, c'est même pas 2-2, parce qu'il a fait le 2-1-2-2. À 2-1, je pense qu'il servait de bord très calmement, puis il regarde son banc, puis il fait « let's go ». Oui, oui, oui. Quel, écoute, ouais, c'est un leader. Là, il pue le leadership, ce gars-là. Non. Il pue le leadership. C'est épouvantable. Fait que, écoute, je déteste. Tu sais, c'est sûr que je prends pour les Sharks dans cette série. J'ai pris les Sharks dans les Blues dans mes prédictions. Oui, ça me semblait aussi. Mais je n'aille pas les Sharks pour plein de bons joueurs. Tu sais, Carlson, tu sais que je l'aime beaucoup. Oui, oui. Couture, etc. Oui. Classique, là, qui joue le Bank. Mais là, l'autre série, les Hurricanes puis les Bruins. Je te le dis tout de suite, là. Peu importe qui gagne dans l'Ouest, c'est mes chouchous pour la Coupe cette année. Ouais. Parce que c'est les Bruins, parce que c'est les Hurricanes. Je pense que c'est le souhait de plusieurs auditeurs, à part notre ami Tim qui est aux médias sociaux aujourd'hui, que je salue parce que lui, c'est un fan des Bruins. Il arrive souvent avec son T-shirt de tout corasque et tout. Tim a sûrement d'autres qualités. Il a d'autres qualités, effectivement. D'ailleurs. Who's next? Ce qu'on va faire, là, on va aller mettre fin au Facebook Live. On va lire vos commentaires, arrête, évidemment. Arrête, Tourigny arrive, puis tu veux mettre fin au Facebook Live. Ben, on va inviter les gens sur rds.ca pour nous écouter. Les gens que vous êtes sur Facebook, venez-vous-en sur le rds.ca. André Tourigny nous attend. Je pense qu'il y a des histoires pas pires à nous conter. Voilà. C'est raccroché. Ouais. Monsieur André Tourigny, bonjour. Bonjour, Martin et Luc. Comment ça va? Ça va bien. Ça fait un petit bout qu'on s'est jasé. André, premièrement, bravo. Tu sais, je refaisais ma recherche, tu sais. Après sénateur, parce qu'on s'était parlé d'un temps sénateur, Halifax avec un sacrifice familial extraordinaire. Tu reviens avec les 67, place la machine, gros succès cette année. Tu dois vraiment être fier de tout ce que tu as accompli dans les dernières années. C'est une bonne question dans le sens que oui, je suis très fier. Mais tu sais, quand t'es compétitif, puis une couple de jours après avoir perdu le dernier match, on a accompli des choses extraordinaires, on a battu des records, on a battu les prédictions dans le sens que personne ne nous voyait là, proche de ce niveau-là. Sauf que ça reste qu'on a perdu la dernière game. Fait que, tu sais, On est fiers, puis on va le savourer éventuellement. Mais pour tout de suite, c'est un petit peu en deuil. Le show aujourd'hui commençait avec Steph Leroux, puis on voulait t'avoir en deuxième, puis on a eu des problèmes techniques. Le show à Montréal, les gens parlent beaucoup de Nick Suzuki, puis je n'ai mon casque d'entendre des gens parler d'un gars qui n'a jamais vu jouer, tu sais, qu'il faut l'échanger, qu'il est passé bon, patine pas, tout ça. J'ai dit, hey! On va appeler des gars qui l'ont vu jouer. On va appeler Steph, on va appeler André Tourigny. Mais avant de parler de Suzuki, je veux te demander, puis là, c'est pour ça que tu vas comprendre ma prémisse. C'est-tu la perte de ton gardien qui fait que tu as perdu la série après d'avoir gagné 14 de suite, ou c'est la magie de Nick Suzuki? Wow! Réponse plate, je crois bien. C'est un mix des deux, dans le sens que notre backup, qui est Cédric André, qui était notre numéro un pendant le trois quarts de la saison, il était très bon. C'est pas que Cédric n'a pas été bon. Ça, c'est la première des choses. Mettre ça au clair. La deuxième des choses, c'est que même s'il était bon, c'est pas Mikey DiPietro. C'est Mike DiPietro, c'est le goaler numéro un de l'équipe Canada Junior. C'est un gars qui avait joué avec ces gars-là, avec l'équipe Canada Junior. Fait que les gars, ils savaient comment il était bon. Walsh, il y avait quatre gars qui ont joué avec lui et qui étaient dans le junior. Fait que, tu sais, ils savaient comment DiPietro pouvait break à la game, pouvait faire la différence. Tout ça fait que, tu sais, c'est une grosse perte, là. Tu perds Carey Price, puis Niemi, il goal bien dans les playoffs. OK, c'est correct, là. C'est pas Carey Price, pareil, là. C'est clair. Niemi était très bon, OK, on est content, mais c'est... Si on avait eu Carey Price, ouais, peut-être. Tu sais, c'est... Fait juste amener l'intimidation que le gardien amène dans le filet, tu sais. Il n'a même pas un lancé, puis comment les joueurs adverses vont respecter si c'est DiPietro. Exactement ça, tu sais, Martin. Tu sais, Mikey, il est tellement bon que quand, exemple, le gars, il arrive à 2-1, il hésite avant de shooter. Ouais, c'est ça. Il a une petite pause dans sa game, puis il hésite. Ça donne une fraction de seconde de plus à ton défenseur ou à ton repli d'arrivée. Donc, c'est sûr que Mikey, c'est une perte. Ouais. Cédric André était très bon.
Puis Nick Suzuki était très, très bon. Tu sais, il était très, très bon. Ça ne le cachera pas. Nous autres, on avait notre défenseur numéro un, Kevin Ball, qui n'était pas là au début de la série, sur sa faveur. Quand Kevin est revenu, ça nous a aidé beaucoup. Mais c'est ça. Nick Suzuki était très bon. Il est bon comment? Tu sais, moi, ce qui m'énerve, André, Marner fait ça 41 points en série éliminatoire, puis on fait, hey, les Leafs, ils repêchent tellement bien. Puis à Montréal, Suzuki fait ça, puis on fait, hey, il faut l'échanger, il vaut cher. Il est-tu bon ou c'est un flash in the pan? Ouais, mais c'est pas Marner, là. Tu sais, non, je comprends. J'aime Suzuki. La chose, le nombre de points qu'il a fait aussi, il a joué des games dans les playoffs, là, tu sais, il y a deux séries en 7, une série en 6, une série en 4, donc. Quelqu'un rapide, une route 24. Là, c'est beaucoup de matchs. Ça a l'air de faire beaucoup de points. Cependant, Nick Suzuki, son coach va l'aimer. Parce que Nick, il fait n'importe quoi. Suzuki, il gagne des finissants. Il joue bien dans sa zone. Il joue bien en forecheck. Il lit bien le jeu. Il prend son gars. Et blablabla. Toute la bullshit de coach, lui, il fait bien ça. les coachs vont l'aimer. Il va t'aider à gagner des games de toutes les façons. Tu n'as pas besoin de regarder le cadran avant de mettre Suzuki sur la glace. Tu mènes par un, tu perds par un. T'es en fin de période, début de période, t'es en piqué, t'es en power play, tu peux l'envoyer. Là. C'est pas un problème. Fait que, il va être très utile, mais est-ce que le monde va aller au centre d'elle et vont dire « Wow, il a donné tout un show à soir. » Non, c'est pas ça. Là. C'est pas un McDavid, c'est pas un Marner, c'est pas un gars qui est explosif. C'est pas un gars qui va surprendre le monde. Là. C'est un gars qui... Il va tout bien faire. Tu sais, la comparaison que je fais, c'est Ryan O'Reilly. Ah oui? C'est Ryan O'Reilly, c'est pas un gars que tu regardes une game et tu dis pas, hey, O'Reilly, il était éblouissant. Tu sais, tu vas regarder Tarasenko, tu vas dire, as-tu vu ces deux jeux-là qu'il a fait? Fantastique. Tu vas regarder O'Reilly, tu vas dire, OK, ouais, il est bon. Mais il est-tu, à quel point il est bon, tu sais? Quand, moi, j'ai coaché Ryan O'Reilly. Ben oui. Factor. Il est bon à tabarner. Peu importe où ce que tu le mets, il est bon. Fait que c'est la comparaison que je fais. Méchant, bon comparable. Juste pour finir sur lui, son patin, on avait dit au entraînement que c'était pas le coup de patin idéal pour la Ligue nationale de hockey. Lui, il dit qu'il l'a amélioré cette année. De ce que tu as vu, est-ce que tu penses que son coup de patin pourrait lui nuire à long terme? Ryan O'Reilly. OK. Ryan O'Reilly, c'est pas... Quand on est arrivé au Colorado, on disait la même affaire. Là. Quand je l'ai coaché, Ryan, avec l'équipe Canada, la même affaire. Je disais, hey, son patin est correct. Il faudrait qu'il prenne la vitesse pour être bon dans le national. Enfin, il est pas pire. Premièrement, son patin, là, je le regarde aller encore dans les playoffs. Factor, il est bon. Puis, son patin n'est pas un problème. Ça va, c'est-tu une force? Non, c'est pas une force. C'est-tu un problème? Non, ce ne sera pas un problème. Je pense pas. Okay. Suzuki, il a beaucoup amélioré son patin, définitivement. Ça, je peux vous dire que son patin, il a beaucoup amélioré. Est-ce que c'est pas un Connor McDavid, ça, c'est sûr, mais il va être correct. C'est pas un problème. OK, j'adore ça. Ouais, on a une question des auditeurs, André. Ils te demandent, est-ce que c'est Suzuki qui rend meilleur ses coéquipiers ou c'est un mélange de tout ça et ses coéquipiers l'aident à être meilleurs? Je sais pas si tu comprends la subtilité. Non, je comprends très bien. Puis il est dans la deuxième catégorie. Lui, il rend ses coéquipiers meilleurs, définitivement. C'est là que je dis son coach va l'aimer. Parce que peu importe avec qui tu le mets, c'est une bonne ligne. Tu sais, quand on était au Colorado, nous autres... Ryan O'Reilly, encore une fois, au centre, à droite, à gauche, en piqué, sur le premier power play, en avant du net, sur la board. Il pouvait faire tout ça, puis il rendait les autres meilleurs. C'est la meilleure saison du chaîne avec nous autres. Il joue avec Ryan O'Reilly. T'sais. Il rend les autres meilleurs. Je pense que Suzuki est comme ça. Il rend les autres meilleurs. C'est pas le gars qui va être le plus flashé. T'sais, Paul Stachny était un petit peu comme ça aussi. Paul, c'est pas un gars qui était extrêmement flashé, mais c'est un gars qui rendait les autres meilleurs. OK. Puis, toi qui es habitué au championnat de hockey junior, puis on va y revenir tout de suite après. Là. Championnat junior, il a joué à l'aile, on ne l'a pas vu beaucoup. Au centre, il a l'air, tu sais, dans la série contre vous autres, il était au centre, il a l'air beaucoup plus créatif. Si c'était son coach, tu le garderais au centre dans la Ligue nationale de hockey ou tu n'as pas d'objection à l'amener à l'aile? J'ai pas d'objection à l'amener à l'aile, pas pendant tout. Parfait. Les deux positions, il est capable de les jouer. Tu sais, faut pas oublier, championnat mondial junior, là, c'est... Tu sais, Sean Couturier au championnat mondial junior, il manquait de vitesse. Tu sais, le championnat mondial junior, c'est une compétition qu'il faut que tu sois un très bon patineur. Puis c'est une compétition de gars de 19 ans qui est, tu sais,
je dirais pas que c'est plus vite, mais c'est parce que c'est différent. C'est une compétition à court terme. Les systèmes de jeu, le jeu défensif est moins développé que la Ligue nationale, exemple. Donc, c'est un jeu qui est un peu différent. Tu souhaites qu'il y a des joueurs qui vont se démarquer plus au championnat de junior que dans une game de la Ligue nationale. Mais ce que je veux dire, c'est que Nick Suzuki, je suis convaincu que si on parle à son coach du championnat mondial junior, il va nous dire que Nick Suzuki a fait plein de bonnes choses qui a aidé son club. Plus que juste faire des points. Nick Suzuki, dans mon livre à moi, l'évaluation de Suzuki va être toujours au-delà du nombre de points qu'il va faire. Ryan O'Reilly, je reviens avec lui, facteur, c'est pas juste le nombre de points qu'il fait. Tu sais, là, je regardais les Blues, là, il était dans un slam, O'Reilly, dans les playoffs, là. Il est arrivé à Game 7. Oh, il était dans un slam. Quand la game était sur la ligne, qui était sur la glace? Qui a pris le gros face-off? Qui a tué la grosse pénalité? Qui était sur la glace quand il avait besoin d'un goal? T'sais, puis ont gagné. Il rend les autres meilleurs. Il fait des choses qui rend les autres meilleurs. André, on vient de raccrocher avec David Perron. Peux-tu dire qu'il l'aime? Ryan O'Reilly. C'est sûr. J'en doute pas. Même chose. J'ai coaché Ryan. Ryan, tu regardes son salaire. Mais tu fais beaucoup d'argent. Ouf! Tu sais, comme fan, tu dis, tabarnak. Comme coach, tu dis, moi, c'est pas mon problème de salaire. C'est le problème du GM. Moi, le joueur, je l'aime. Tu sais, je le veux dans mon club, puis il nous aide à gagner des games, puis il nous aide de plusieurs façons. Tu sais, fait que, toujours les deux côtés de la médaille, tu sais, c'est ça. Parle-moi de toi, André. Tout à l'heure, je parlais avec Stéphane Leroux, puis il me disait. Il a écrit en janvier sur RDS.ca, aussitôt que l'équipe Canada Junior, le tournoi s'est terminé, il a écrit « Le prochain coach de cette équipe-là, il n'y en a pas d'autre que André Tourigny avec tout ce que tu as accompli, trois fois adjoint avec eux autres. » Ils ont réussi à te convaincre de te ramener pour une quatrième fois comme adjoint. Pourquoi as-tu été déçu? C'est sûr que s'ils te redemandent d'y retourner, c'est parce qu'ils t'aiment. Raconte-moi. Première des choses, c'est une nouvelle garde avec Hockey Canada. Okay. Quand j'ai été au moins 18 cette année. Que tu as gagné l'or, by the way. Oui. C'était tout des nouveaux, là. Tu sais, c'était comme si j'arrivais. Comme si c'était moi le nouveau. Tous des gars qui travaillent ensemble depuis un certain nombre d'années, puis moi, j'étais le nouveau qui arrivait comme. C'est un peu de nulle part. Fait que ça, c'est une chose. Faut que tu gagnes la confiance de ces gens-là. Deuxième des choses, je nommerai pas de nom, je veux pas être méchant avec personne, mais. Tu sais, là, c'est Dale Hunter qui est là, dans le sens que Dale, il a joué quoi, 19 ans dans la Ligue nationale? Ouais. Il a gagné quoi, 3-4 coupes, 2 coupes Memorial, 3-4 coupes en Ontario. Tu coach de l'année 3-4 fois, etc. Tu sais, là, ah ouais, on donne du gaz. Hein. Tu sais, il y a un pedigree. Ouais. Là, tu sais, je suis pas dans le mode que je veux dire, c'est rien que la bullshit. Ça n'a pas de bon sens ou quoi que ce soit. Au contraire, je suis dans le mode que je dis, ils n'ont un bon. Je vais avoir la chance de travailler avec un excellent entraîneur. Puis, à toutes les fois que j'ai été avec l'équipe Canada, je suis revenu et j'ai eu le sentiment que j'étais un meilleur entraîneur. J'ai ramené des belles expériences, oui, mais au-delà de ça, j'ai ramené des nouveaux trucs, des nouveaux tips dans le système, des nouvelles façons de faire avec nos joueurs, des nouvelles façons d'entraîner, des nouvelles façons de faire certaines parties de mes pratiques ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu le sentiment que j'étais un bien meilleur, pas juste un bien meilleur entraîneur quand je revenais de ça. Toutes mes expériences. Donc, c'est difficile de passer par-dessus ça. C'est difficile tu sais, faut pas que tu mettes ton ego en avant. Là. Faut que tu regardes ça. Tu dis, André Tourigny et les 67 vont être meilleurs parce que je vais aller vivre cette expérience-là. C'est une opportunité unique. Ça, c'est un. Deux, à un moment donné, là, représenter ton pays dans son sport national, comme entraîneur de l'équipe nationale. T'sais, là, ça, c'est banal. Il y en a pas mal des affaires dans sa planète qui est banal. C'est quelque chose pour moi qui reste un honneur absolument fantastique. Donc, je me considère très privilégié d'avoir la chance d'être là. Puis, on me dit, moi, qu'il a fallu qu'on te convainque, ça veut dire qu'on tient à toi aussi. Là. C'est un signe de respect envers l'entraîneur que tu es. Mais tu sais, je pense qu'ils ont démontré qu'ils avaient confiance. Il voulait. Tu sais, j'ai eu des bonnes discussions avec Mark Hunter, puis tu sais, je pense que c'est de ce côté-là que je pense. Question, il faut que je te pose, mais il y a également sur nos pages, là, il y a Skid qui demande, puis je te l'aurais demandé. Téléphone de la Ligue nationale de hockey.
sonne, t'écoutes toutes tes propositions, juste sûr pour entraîneur-chef. Ça a-tu sonné, André? L'environnement qu'on est avec les 67, c'est absolument phénoménal. Ça, c'est un. Deux, ouais. Je suis parti à Halifax sans ma famille. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. L'autre chose, ma fille reste 2 ans au high school. Ce serait une très bonne chose qu'elle puisse graduer Sacred Heart. C'est une très bonne école. Puis on est bien. Mes gars, à l'école ici à Ottawa, Algonquin College, Ottawa U. Fait que, tu sais, là, c'est, la porte n'est pas fermée. Mais si je suis plus à un stade où ce que. Tu sais, I have to get there. Tu sais, faut que. Tu sais, je suis dans un stade que la bonne proposition, dans la bonne position, avec la bonne philosophie. Je vais être extrêmement excité, honoré. C'est pas, je suis pas en train de dire que regarde, là, je suis plus gros que ben non, que mais ça. Je te comprends. Je te comprends tellement. Je suis juste en train de dire que je cherche pas une job. J'ai une job qui est fantastique. Je suis bien content parce que je suis. Je suis bien heureux. Maintenant, dans la vie, là, il y a personne, y compris toi, y compris Luc, personne qui peut dire non, moi, avoir un avancement, ça m'intéresse pas. C'est impossible. C'est clair. Mais je te comprends très bien. La famille, un, l'importance, puis tu l'as vécu en allant à Halifax. Puis je parle avec... puis on en parlera à l'extérieur des zones de m'emmener. Il y a un gars qui m'a dit, moi, cette année, c'est mes enfants, parce que c'est la dernière année avant qu'ils partent tous dans des collèges américains, etc. Puis il veut vivre cette année-là avec eux, aller dans leur tournoi, parce que tu le sais, là, la job de coach, vous êtes menotté à l'aréna. Ouais. Tu manques les tournois de tes enfants, etc. Puis lui, il veut vivre ça cette année. C'est exactement ça. Tu sais, puis... Tu sais, dans la vie, si tu manques quelque chose, si tu manques une opportunité professionnelle, un jour, mais que je sois à maison de retraite, je vais peut-être la regretter. Mais si je manque les dernières années que j'ai la chance de vivre avec mes enfants, mais que je sois à maison de retraite, je vais faire plus que le regretter. Je vais avoir des remords comme ça n'aura pas de bon sens. Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, ça veut pas dire que la porte est fermée, ça veut pas dire que ça peut pas arriver. Il y a bien des contextes, il y a bien des choses qui peuvent arriver, tu sais, mais. C'est pas ça la priorité. Quel bonheur de te parler. C'est rafraîchissant de te jaser, André. Tu dis les choses sans passer par Québec. Bonne chance dans le reste de ce que tu fais présentement. Profite de ta famille. C'est ça qui est important. Puis on se rejase bientôt. Merci, Martin. Merci, Luc. Bye-bye. C'est là, André. Merci, André. Wow. Ouais, excellent. Quel bonheur. Quel bonheur. Excellent. Quel bonheur. C'est vraiment exceptionnel. Puis les auditeurs apprécient, un, et non, deux, aiment la comparaison sur O'Reilly. Là, ça te permet de jaser comme il faut. Ben exact. Parce que là, si tu échanges Suzuki, ben, dans ta tête, tu peux dire que tu échanges un. Tu vois, il y a un auditeur qui a blasphémé sur nos pages. Ça se peut pas. Puis tu sais que normalement, c'est impossible. J'apprécie pas ces choses. Mais bravo. J'ai pas trouvé son nom, là, mais bravo. Je suis tellement d'accord. Il parlait d'André Trigny en disant c'est bon en. Non, mais je pense que c'est André qui a comme fini une phrase. Ouais, c'est Vincent qui a écrit ça plus tôt. OK. Sachant que Bergevin semblait apprécier O'Reilly, tu sais, il y avait des rumeurs de transactions qui amenaient O'Reilly à Montréal. Est-ce que c'était lié avec Suzuki? Ben, c'est ça. Je pensais pas, par contre, que Suzuki était si fiable que ça défensivement. Ah, ben. Il est fort sur les mises en jeu. Tu sais, quand je comprends. Faut pas manger des Cheetos fromage puis donner une opinion quand tu le sais pas. Moi, tu m'aurais demandé avant le show. Suzuki, gagne-tu des face-off? Je t'aurais dit, je sais pas. Ouais, ben c'est ça. Pis si tu veux jouer au centre à cette heure, t'as besoin d'être bon sur le face-off. On vient de se faire dire, t'es excellent sur le face-off. Exact. On va enchaîner rapidement. On va aller rejoindre Alex parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Personne n'avait de temps aujourd'hui. Ouais, on va mal aujourd'hui. Nous autres non plus. Après moi, ce show-là devrait revenir 5 jours semaine. Ouais. Alex Tanguay, salut. Comment ça va, les gars? Ça va bien, ça va vite, Alex, aujourd'hui. Écoute, on a parlé avec André Tourigny. On a parlé avec David Perron. Là, on jase avec toi. On va parler des séries, bien sûr. Ralph Kruger, nommé à Buffalo. Écoute, je t'avoue, j'ai perdu mon dentier. Surtout quand on savait que Bottrill, qui était un ancien des Pingouins, avait parlé avec Jacques Martin. Jacques Martin, je le vois comme un enseignant, prendre une jeune équipe à l'époque, comme les Sénateurs, les monter. Ralph Kruger, qui était président d'une équipe de soccer en Europe, qui a coaché avec les Oilers, et on m'a tous dit, à tort, on l'a congédié. Moi, je la comprends pas. Tu peux-tu me l'expliquer? Ben écoute, Martin, je vais être honnête avec toi. Moi, je trouve que c'est un excellent mot. Parce que de un, on est toujours dans la même clique au niveau hockey. Ce que Ralph Kruger a fait quand il est allé avec les Oilers d'Edmonton, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant. C'est quelqu'un qui est un excellent communicateur.
c'était quelqu'un qui était capable d'aller chercher le meilleur de ce groupe-là. Maintenant, Craig McTavish, quand il était là à l'époque, il voulait aller chercher quelqu'un d'autre. On est allé chercher Dallas Eakin. Est-ce que Dallas Eakin a eu les mêmes résultats que Ralph Kruger? Absolument pas. Ralph Kruger était capable de prendre un poste en tant que président dans une équipe de football en Angleterre. Et puis, à partir de ça, ça n'enlève pas ton savoir ou ton vécu dans le monde du hockey. Mais ce que ça fait, c'est que ça te montre d'autres horizons, ça te montre d'autres à côté, ça te montre d'autres manières de fonctionner. Puis le football anglais est très avancé en tant que recherche de joueurs, en tant que d'approche, en tant que communication, de la manière dont ils font les choses, en tant qu'ouverture d'esprit pour donner des ressources à les joueurs pour performer. Fait que pour moi, après avoir vu ce qu'il a fait à la Coupe du Monde avec l'équipe Europe, qui était une job qui a vraiment emporté des joueurs allemands, slovaques, un petit peu partout au travers du monde, mais tu avais besoin d'un bon communicateur, puis ça, il m'a montré qu'il était ça. Maintenant, ce que j'ai hâte de voir de Ralph Kruger, c'est comment il va s'entourer. Ouais. Quel genre de personne qu'il va mettre dans son staff. Mais pour moi, un bon entraîneur a non seulement besoin d'être quelqu'un qui est capable de fixer ou d'aider avec les systèmes, mais la job numéro un présentement d'un entraîneur, c'est d'être capable de communiquer puis faire en sorte que tes joueurs sont contents, ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Et puis ça, pour moi, Ralph Kruger, ben ce point-là ou ce crochet-là, je suis capable de lui donner. Ça prend des bases, tu sais. Bartrill a déjà nommé Halsley, puis ça n'a pas marché. Fait que son prochain, c'est comme peut-être son dernier si ça ne marche pas. Fait que, tu sais, de dire je vais aller vers Kruger au lieu d'aller vers un gars qui a de l'expérience, essayer de s'assurer d'un certain succès. Tu comprends-tu? Ça prenait des. Bon, je vais le dire. Ça prenait des couilles de la part de Bartrill. Ben, absolument. Écoute, il y a eu besoin, tu sais, des fois, des postes de directeur gérant, il y en a 31 dans la Ligue nationale. Il avait d'en avoir un 32e, mais présentement, ouais. Il y en a 31. Et puis, de ces 31 jobs-là, ben, il y a plusieurs personnes qui aimeraient ça avoir. La job. Donc, c'est des jobs, des opportunités qui ne viennent pas nécessairement si souvent que ça. Et c'est des opportunités, il faut que tu fasses le mieux avec ça. Maintenant, dans la plupart des situations, je le sais que tu donnes une certaine période de temps à ton administrateur, à ton directeur gérant de mettre de d'aligner le bateau ou de mettre le bateau à aller dans la bonne direction. Il y avait une période de transition certainement pour les Sabres de Buffalo, mais maintenant, cette période de transition-là, comme tu l'as dit, comment ça rétrécir? Kim et Terry Pegula, c'est des gens qui sont très impliqués dans leur équipe. Ils ont à cœur leur équipe de hockey avec les partisans de Buffalo. Fait que pour moi, c'est sûr que Botterill, de son côté, là, il va commencer à avoir des décisions qui vont avoir beaucoup plus d'impact sur son futur. Hâte de voir la suite. OK, les séries... Je le déteste, Brad Marchand et les Bruins, mais ils vont l'emporter en 4. Puis c'est correct parce que les Hurricanes, je ne tripais pas là-dessus, mais les Bruins sont-tu parce qu'ils font mal pareil vraiment les Hurricanes? Les Hurricanes ont sorti fort pareil hier, là, mais règle générale, là, les Bruins sont premiers sa rondelle, sont meilleurs dans tous les aspects du jeu face aux Hurricanes. Les Bruins sont-ils si forts que ça ou les Hurricanes sont tombés à plat, comme disait propre Bredamo, là, fatigue mentale? Ben, écoute. Il y a une fatigue mentale, il y a un certain manque aussi de tu sais, on savait du côté des Hurricanes, on en a parlé avant la limite des transactions, qu'il y avait un manque dans cette équipe-là, en fait, de produire de l'attaque. Maintenant, sur une période courte, que tu parles de la première ronde, que tu parles de la deuxième ronde, est-ce que ces joueurs-là, qui sont tous des joueurs de la Ligue nationale, sont capables de produire offensivement? Oui. Maintenant, sur une longue période de temps, parce que là, ça fait déjà, c'est notre troisième série, ça fait déjà pratiquement un mois, et demi, pratiquement, qu'on est dans les séries éliminatoires. Maintenant, le nouveau, l'adrénaline, devient plus naturel. Fait que pour un groupe qui a peut-être des manques ou des lacunes au point de vue offensif dans la Ligue nationale, de produire sur quatre séries, écoute, à un moment donné, il fallait que la lune de miel ou il fallait que les choses redeviennent à la réalité pour les Hurricanes de la Caroline. C'est ce qui est arrivé après arriver présentement. Hier, on a mis un effort qui était extraordinaire en première période. Tuukka Rask a relevé le défi. Mais est-ce que les Hurricanes avaient vraiment la profondeur pour marquer les filets, pour battre? Écoute, moi, je pense qu'ils peuvent encore peut-être gagner un match, peut-être deux dans cette série-là. Et Bruins de Boston, tu regardes la profondeur de cette équipe-là. Tu sais, on voit jusqu'à date, c'est Coyle, puis Einen, puis Marcus Johansson qui ont probablement été le meilleur trio depuis le début de cette série-là. Qui va me dire que du côté des Hurricanes, on n'a pas un troisième trio qui est capable de produire comme ça. Je m'attendais à ce que les Bruins gagnent avant la série, c'est ce qu'ils apprennent à produire présentement. Oui, puis Mrazek, c'était le fun pour une période courte, mais Mrazek, c'est pas un tout carasse, puis là, on voit la différence entre les deux.
Puis j'aurais sorti Mrazek dans le deuxième match après deux ou même trois, là, mais bon, c'est un autre sujet. Je sais que tu pars dans pas long, fait que je veux te parler des Sharks et des Blues. J'en parlais tantôt avec David. Je suis surpris des Sharks. Je pensais qu'ils étaient sur une patte et qu'ils auraient eu l'air lent à côté des Blues. Ils ont l'air vite. C'est parce qu'ils jouent vite ou ils patinent plus vite que je pensais? Non, et c'est pas une équipe qui patine nécessairement si vite que ça. Mais ce que je vais te dire, puis j'en ai parlé souvent, Martin, avec toi cet hiver, c'est que d'après moi, selon moi, au cours des dernières années, si tu regardes les 3-4 dernières années en nationale, il y a beaucoup d'entraîneurs, puis on parle souvent de beaucoup d'entraîneurs. L'entraîneur qui a pour moi, qui fait le meilleur job présentement en nationale, il n'y a pas de doute que c'est Peter DeBoer. On a parlé souvent de Barry Trotz. Ah oui. Mais tu regardes Peter DeBoer, c'est quelqu'un qui est capable, puis son style de jeu, c'est un style qui est très agressif, et c'est un style que peu importe où tu vas être sur la patinoire, il ne donne pas beaucoup de temps, il ne donne pas beaucoup d'espace. Ils ont l'air de jouer tellement vite, il y a l'air d'avoir aucun espace sur la patinoire. Et puis ça, je suis obligé de te dire que c'est beaucoup de crédit doit être porté à ce que Peter DeBoer fait avec son équipe. Mais j'ai hâte de voir ce soir, parce que des deux côtés, il va y avoir des ajustements. Bérubé était capable de faire certains ajustements lors du match numéro 2, qui leur a donné un petit peu plus d'espace, qui les a permis d'avoir plus de succès. Maintenant, le chess match ou le jeu d'échecs de ce soir, bien, la balle est dans le camp de Peter DeBoer. J'ai hâte de voir les ajustements qu'il va faire au match de ce soir, mais ça va être une série que, selon moi, je ne sais pas ce que David en pense, mais selon moi, écoute, ça va être une guerre de tranchées. Ça va être quel gardien qui va être capable de faire la dernière arrêt. Ça va être quelle équipe qui va avoir un bon chanceux peut-être au bon moment. Pour moi, cette série-là, il y a 7 décrits partout sur cette série-là. Ben, j'ai hâte de voir la suite, puis j'ai l'impression que les Blues n'ont pas joué leur meilleur match, même dans le match numéro 2. Fait que, comme tu disais, tu avais hâte au match de soir. Moi, j'ai hâte de voir si on va revoir les Blues qui dominaient les matchs contre les Stars. Oui, écoute, moi, la seule chose que j'ai vraiment hâte de voir, on a vu Tarasenko qui était plus impliqué au dernier match, avait décidé de se lancer. On l'a vu bouger un petit peu plus. Moi, j'ai hâte de voir, parce qu'à un moment donné, du côté des Blues, un peu, oui, on a de la profondeur, oui, on a des gars qui sont capables de marquer. Mais pour moi, le meilleur joueur ou un des joueurs qui a beaucoup de potentiel avec eux autres, c'est Robert Thomas. Puis Robert Thomas, il a été spectaculaire lors du match numéro 7 contre les Stars. Il a été très bon lors du premier match de la série contre San Jose, probablement le meilleur joueur. Puis le dernier match, on l'a fait jouer juste 11 minutes. Je sais que c'est un jeune homme. J'ai hâte de voir comment Bérubé va être peut-être lui donner un petit peu plus de temps de glace. Parce que là, il va être capable, en ayant le dernier changement, de le mettre dans des situations où peut-être qu'il... contre des unités de l'autre côté qui n'a pas peur de l'utiliser par rapport à ses responsabilités défensives. Moi, j'aimerais ça le voir un petit peu plus parce que je pense qu'il peut être un X-factor, si on peut dire, pour les Blues, parce que tellement de potentiel offensif, je l'adore ce jeu-là. En terminant, Alex, question d'auditeur, semble-t-il que Joe Sakic va être actif sur le marché des joueurs autonomes? Question d'auditeur qui dit, est-ce que l'Avalanche va être la prochaine grosse patente? C'est ça sa question? Ben, écoute, ils ont été chanceux. Tu sais, Joe Sakic, tu regardes le vol qu'il était capable de faire, si on peut dire, avec les Sénateurs d'Ottawa, qui lui a permis de transitionner son équipe. Même cette année, il va aller chercher un autre choix repêchage, 4e au total, plus le leur. Donc, c'est sûr qu'il y a un bon potentiel avec l'Avalanche. La plus grande question, les gars, de ça, c'est quel est vraiment le budget? Parce que avec la famille Kroenke, au cours des dernières années, c'était pas une équipe qui dépensait jusqu'au cap salarial. Quel va être le budget de Joe Sakic? À quel point on est capable d'investir? À quel point on veut planifier le futur aussi? Parce que regardez leur alignement. Kyle McCarr, dans 3 ans, faites-vous pas de doute qu'il va signer un contrat puis il va commander beaucoup d'argent. Tyson Berry, il est un an d'être agent libre. Qu'est-ce que tu fais avec Tyson Berry? Est-ce qu'à un moment donné, il faut que tu le signes ou soit il faut que tu penses que à ton futur, peut-être de l'échanger puis donner plus d'espace à Girard puis Kyle McCarr? Rantanen, cet été, là, il va faire sauter la banque. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point Joe Sakic va avoir du budget, mais c'est sûr que le potentiel avec cette équipe-là, tu regardes Rantanen, tu regardes McKinnon, tu regardes Landeskog, la fenêtre d'opportunité pour gagner commence à s'ouvrir pour l'Avalanche du Colorado. Est-ce que Grubauer est un vrai gardien numéro 1? J'ai encore des doutes là-dessus. Est-ce que Joe Sakic va faire des moves? Sûrement qu'il va améliorer son équipe, mais tout va dépendre de combien d'argent M. Kroenke va lui offrir. Alex, un gros merci. Je te laisse aller à tes occupations, puis je te promets la prochaine fois, on se gagne plus de temps. Oui, j'ai de la TV cet après-midi aux États-Unis, donc je dois me sauver. Sauve-toi, puis on te regarde, puis merci d'avoir été là, on s'en jase. À bientôt. Bye. Merci, Alex. C'était Alex Tanguy. Ça a un bon côté. On finira pas les quarts.
Oui, non, effectivement. C'est toi qui me chicanes tout le temps. Moi, je te chicane jamais. Tout le temps. Tout le temps en train de me chicaner. Jamais. OK. Alexandre pose la question. Bennington pour le Calder, ça dépend probablement si les Blues vont passer. Ben, moi, pour moi, ça n'a même pas rapport. Ça n'a pas rapport avec les séries. J'ai dit Calder, effectivement. Tu as bien raison. Puis le Calder, c'est son nom qui devrait être dessus. Je sais qu'il y en a qui vont parler d'Elias Pettersson. Oui, oui. C'est vrai. Excuse-moi. Il n'y a pas de Bennington, il n'y a pas de série. Tu sais, Elias Pettersson, il a beau faire 70 points, il n'a pas amené son équipe en séries éliminatoires. Bennington a pris une équipe qui était dernier. En janvier. Et il a des statistiques pas correctes, puis il les a amenés en série. Là. Des statistiques outstanding. Ça n'enlève rien à ce qu'Elias Pettersson a fait. Puis moi, j'ai dit, novembre, mettez le nom d'Elias Pettersson. Oui. Je me suis trompé. On aurait pu parler avec Alex aussi, puis des séries. Puis je vais te poser la question là, de Williams, qui est indiscipliné, qui... Ça, c'est moi, j'aime ça. J'aimerais juste ça qu'il y ait des résultats avec ça. Là. Mais j'aimerais ça, tu sais, qu'il ferme la trappe à... C'est plus avec... d'amour, là, tu joues à la vidéo là, quand il se moque du capitaine, puis il fait le C. C'est plus avec Torrey Krug aussi qui a l'air d'avoir un petit duel entre les deux, entre Williams quand et Krug. Quand tu joues pour les Blues, j'ai l'impression que tu deviens arrogant, baveux. On va en parler à Tim tantôt. Souviens-toi d'Andrew Ference, avec son doigt d'honneur. Tu deviens un Bronze quand tu mets le chandail des Bronze, tout simplement. Oui, puis probablement que plus tu fais de rondes de séries éliminatoires, plus tu joues de matchs, plus l'adrénaline monte. C'est un bon point, Martin, pour vrai. On parlait avec Tim, moi et Tim, du quatrième trio des Bruins. On dirait qu'ils réussissent toujours à trouver un quatrième trio qui non Nordstrom. Seulement est efficace, Nordstrom. Mais qui produit aussi. Là. Il appartenait à quelques équipes. Oui, c'est ça. Nordstrom, d'autres ont peigné ça. T'as-tu fait la passe? Oui. Mais non. Puis là, en plus, t'aimes pas Brad Marchand, puis là, il s'en va faire fangue la main de Han. Mais on sent ta haine envers cette formation. Puis je serais pas bon jouer contre, parce que je ferais comme William, tu sais, je partirais après, puis j'essaierais de me venger, puis tu sais, j'ai remarqué qu'il y avait des gants en cours, là, puis que cette section-là n'était pas protégée, en tout cas. Probablement que pas juste toi qui l'as remarqué. Écoute, on finira pas avec Arme, mais je vais quand même lire des commentaires qui sont rentrés, surtout par rapport à Nick Suzuki. On va terminer là-dessus. Claude dit, moi j'adorerais, puis je veux avoir ton opinion là-dessus, j'adorerais le concept de créer une ligne de jeunes avec Poehling, Kotkaniemi et Suzuki. Je trouve ça drôle. Mais en faisant prendre les mises au jeu alternativement pour déstabiliser l'adversaire. Est-ce que c'est une stratégie que tu adopterais? Non. Et je vais reposer la question de Claude là, différemment. Est-ce que tu mettrais un Suzuki à l'aile, par exemple, parce qu'il est créatif, mais à certains moments, il pourrait être un spécialiste, entre guillemets, de mise en jeu. Il faut qu'il commence au centre. Je pense que c'est là, mais tu sais, encore là, André il a dit qu'il ne serait pas gêné de le mettre à l'aile. Je ne vais pas aller contre le gars qui l'a coaché contre, qui a une expérience extraordinaire par rapport au hockey junior, qui connaît Nick Suzuki depuis... X nombre de temps. Puis, tu sais, on parle de cette année qu'il a joué en série, mais c'est parce que c'est pas sa première année, André, avec les 67. Là, il était là l'an passé, il l'a vu avec son autre formation, Nick Suzuki. Honnêtement, moi, je suis parti d'un joueur créatif. Hein, c'est ça que je dis, un joueur de centre créatif à Ryan O'Reilly. Tu comprends-tu quand je dis on sait pas de quoi qu'on parle? Qui est efficace aux mises en jeu, comme tu disais tantôt. La seule différence, c'est que moi, je le savais que je savais pas de quoi je parlais. Mais là, on les a-tu écartés sur Nick Suzuki? Oui, absolument. Puis j'espère que... Je ne sais pas si tu voulais l'échanger. Bref, j'espère que... Je suis parti de ceux qui, à la date limite des transactions, a dit... Oui, moi aussi. La clé, si tu vas avoir un gros joueur, c'est lui. Oui. Mais je suis jamais parti en cavale en disant qu'il faut l'échanger parce que... Moi, ce qui m'écœurait, c'est que les gens qui sont partis en cavale en disant qu'il faut l'échanger parce qu'il ne vaudra jamais plus que qu'est-ce qu'il vaut là. Oui. Ça, je trouvais que c'était par la trahison casse. Dernier commentaire, puis il y en a eu beaucoup. Là. Merci beaucoup d'avoir été là du début à la fin. Michel dit, est-ce que Suzuki va se tailler une place avec le grand club? J'ai répondu oui. En fait, je vais être très déçu si Suzuki et Poehling ne font pas le grand club. On doit donner une vraie chance à Kotkaniemi cette année, et avec raison. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose avec ces deux joueurs-là. Stéphane, tantôt, parlait de justement, tu sais, évidemment, le nombre de contrats, est-ce qu'il y a de la place, est-ce que c'est mal vu que Suzuki se faire la main à Laval pour, je sais pas, une trentaine de parties, tu sais, il y a tout ça qui est pour déplacer des contrats pendant la saison, tu sais, ça peut arriver ça aussi, c'est une possibilité. Mais, tu peux, cette profondeur-là que Kansas a signé avec Will, avec Thompson, au lieu de donner des choix à date limite des transactions ou essayer de baragouiner quelque chose pour aller les chercher. Ils sont signés présentement. Là. Je pense pas que le Canadien a promis 82 matchs à Thompson. Je suis d'accord avec toi. À 1 million. S'il joue là. Bien,
Il va y jouer. Ben d'accord avec toi. Oui, quand c'est mis en jeu, il fait pas mal sur une quatrième ligne. On verra. Absolument, t'as bien raison, mon cher Martin. C'est tout? C'est tout un show. J'ai chaud aujourd'hui, moi. Ah oui? Ouais, moi, j'aimais ça. Ouais, c'est très bon, là, mais tu sais, moi... Bravo, bravo à vous, là. Oui, oui, absolument. Quand ouais, je vous dis que vous êtes une part importante du show, c'est pas juste sur vos questions. Quand il y a André Tourigny qui rentre, là, puis qu'il sort du stade, puis qu'on voit les messages qui rentrent, « Wow, ça fait du bien! » Pendant que tu fais l'entrevue, tu sais, comme... Hey, les gens sont contents. Oui, puis ça nous aide, comme tu disais, à se faire une meilleure idée des joueurs qui s'en viennent. Ouais. All right, Luc, un gros merci. Merci à toi. On se rejase la semaine prochaine sans faute. J'espère que vous serez là. Et un gros merci d'avoir été là. Je remercie Olivier aussi qui a travaillé aussi aujourd'hui. Là, c'était très fort. Très, très fort dans les coins. Très fort. Merci, Ali. Ali, à la mise en onde, un gros merci. Puis on se rejase demain, pantoute. Semaine prochaine, yes. Habitué. Pour une autre édition de On jase.